18 janvier. Assis sur le tapis, les jambes pliées, les pieds à plat, les mains vers l'arrière, les doigts vers l'arrière, donc paume de main au sol, inspire, expire. Encore, inspire. Expire, laisse les mains glisser vers l'arrière du tapis, les bras parallèles, jusque là où ça fait un peu mal d'ailleurs. Grande inspire, grande expire. Inspire, on redresse. Expire, viens ramener le bras contre la poitrine. Grande inspire. Et grande expire. Passe le coude au-dessus de la tête, attrape-le. Inspire et étire sous l'aisselle. Inspire, le bras en l'air passe derrière et on voit si on peut attraper les doigts. Inspire. Expire. On lâche. Défais les bras et bien croiser un bras au-dessus, un bras en dessous. Fais un nœud avec les mains. Pointe les doigts vers l'avant. Grand inspire. Grand expire. On défait les bras. Et on recommence de l'autre côté. Donc, je tire le bras contre la poitrine. Grand inspire. Grand expire. Passe le coude au-dessus de la tête, tire le coude vers l'arrière, grand inspire, grand expire. Lâche le coude, essaye de voir si tu peux attraper les doigts dans le dos, grand inspire, grand expire. Lâche les doigts, défais les bras. Croise les bras au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Alors, on va essayer d'alterner par rapport à tout à l'heure. Les mains l'une contre l'autre, les doigts vers l'avant, comme un bec d'aigle, justement. Grand inspire. Grand expire. Inspire, défais les bras, allonge-les un peu sur le côté, laisse couler le long des bras jusqu'au bout des doigts, jusque dans la terre.